Et bonjour internautatrice et internautateur, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative qui cherche à prendre l'initiative sur ces saloperies d'aliens et qui n'y arrive pas. Je vois que là par exemple je n'y arrive pas du tout. J'arrive pas à récupérer la Suède. Alors pour info, en fait c'est un peu la deuxième fois que je tourne cet épisode parce que il a eu la bonne idée de se, enfin mon logiciel d'enregistrement il a eu la bonne idée de se planter, ce qui fait que du coup j'ai pas enregistré. Enfin j'avais déjà tourné le suivant mais en fait je l'ai pas enregistré. Donc du coup je vais reprendre. Du coup ça m'a évité quelques erreurs que j'ai pu faire lors de la première série de tournage. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Hein. On a vu à l'épisode précédent, hein, j'ai du mal à gérer les combats spatiaux. Je vais essayer de faire au mieux. Mais je sais que c'est pas forcément très simple. Donc, je suis en train de sortir. Une nouvelle série de vaisseaux qui va pouvoir faire un peu le taf. J'avais réussi à le faire. Alors, pas les lanciers, mais les moniteurs Ghost. En l'occurrence, on verra plus tard. Comment ça se passe? Sinon, je commence à avoir pas mal fait le ménage des plantes. Même si je galère encore un peu ici. Pour nettoyer autour de dans en Asie du Sud-Est et puis voilà les armées aux États-Unis ressortent lentement mais sûrement, mais plutôt lentement. Pour l'instant, j'ai du bol parce que les aliens n'ont pas encore envoyé d'armée sur la Terre, mais ça ne devrait pas tarder. Un jour ou l'autre, ça va me tomber sur le rable. Et quand ça va arriver, j'espère que j'arriverai à me défendre parce qu'avec le peu d'armée que j'ai aux États-Unis ou ailleurs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci les missiles nucléaires. Bien. Donc, Ita continue de faire le ménage ici. Hans fait le ménage là. Est-ce qu'il faut que je blinde l'un de mes trois super pays? Non. De ce point de vue-là, ça va. Donc, je peux continuer de faire le ménage. Dashus, tu vas aller nettoyer là. We're going in. Au niveau de l'agitation, ça va, je suis tranquille. Acknowledged. Citron, que pourrais-tu faire? Je pourrais aller capturer du... Capturer les agents des serviteurs. Histoire de les ralentir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, il en a... On peut voir ici... on peut voir un aperçu de leur stat. Le premier a 25 en admin, 23 en persuasion. Le deuxième, 25 en admin, et puis un peu de tout. Et les autres n'ont pas grand-chose de très intéressant. Donc je vais aller essayer de lui coincer celui-ci. Donc c'est Agnidip Barail. Hop, 98% de chance. Ça devrait le calmer un peu. Là j'ai vu que j'avais... Ouais, j'ai des inégalités qui sont... Ouais, ça va. 2,2, ça va encore. 2,7 est en hausse. Là, j'étais en train d'essayer de sortir une troisième armée.
Brieux fait toujours la même chose. Toi, à la limite. Alors, c'est une autre solution pour empêcher les adversaires, c'est de faire des prises de contrôle au style et d'essayer de leur piquer en quelque sorte des organisations. Piquer les organisations les plus fortes. Ça peut valoir le coup aussi hein, de passer un peu de temps à explorer ce qu'ils ont. Il peut y en avoir qui peuvent être utiles à récupérer. Là, on voit qu'il fait. Il y en a pas mal qui lui donnent de la science en plus. Alors le bouclier des fidèles, la deuxième, je dois pas pouvoir la prendre parce que ça doit être l'organisation spécifique. Des serviteurs. C'est au niveau de l'IA, j'ai souvent repéré que il prenait essentiellement des organisations qui donnent de la science. Ce qui est un vrai point faible, je pense, en termes d'IA. Bouclier des fidèles, oui, c'est ça, c'est spécifique aux serviteurs. Le FMI. Ah oui, le FMI, c'est vraiment très 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 bien. Oh, c'est tellement énorme le FMI. Je vais essayer de récupérer ça quand même. Hein. Sur Cédric. Ah, 25. 61% de chance. Allez. Targeting enemy On va orbs. essayer ça. Offering assistance. Target in a secure location. Hop. Ça typiquement, je pense que ça s'appelle une représailles. Baron d'Onyx, est-ce qu'elle est... Elle est full, mais à mon avis son armée est plus forte que mes défenses. They will now serve us. Et ben pif. Donne-moi le FMI. Si tu l'as plus et que moi je l'ai. Même si je me sers pas en fait des plus 8 d'admin. Enfin si parce qu'il est quand même vraiment bien. Les bonus en termes de pourcentage sont quand même vraiment intéressants. Tac. Hop. Toi, tu me fais un attaquer la cible. Donc les États-Unis sont arrivés à Varsovie. Réprime en Malaisie, réprime, réprime. Helsinki. Et hop, peut-être arriver à les détruire son armée. Bratislava, ok. Ah non, il a réussi à s'échapper. Voilà, donc j'ai mes nouveaux vaisseaux qui arrivent autour de Mangazore. Ok. Alors, bon, ceci dit, ça pourrait être intéressant pour moi. Alors, je pourrais me lancer dans la. Essayer d'attaquer les vaisseaux extraterrestres. Ou alors, je peux essayer de voir ce qui va m'attaquer et quand il va m'attaquer. Là, par exemple, il va se rendre sur Ardarin avec 918. Parce que ça peut être une alternative. Bah, les 918, j'ai pas loin de 300 de défense. Il arrive le 1er octobre, c'est-à-dire dans 6 jours. Est-ce que mes 6 vaisseaux peuvent faire la différence? Dans un combat, canon magnétique, toi la plasma, c'est le plasma qui me tue. Plasma.
Laser violet. Le laser, ça va à peu près. En plus, j'ai plutôt des bonnes protections. Torpille, canon magnétique, ça va. Il y en a un qui m'inquiète un peu. Tout cela, ça va. C'est les mêmes modèles. Ici, canon magnétique, c'est pas un souci non plus. Oh, ça lag. Enfin, non, c'est pas que ça lag. Si, ça lag un peu. Donc, celui-là, ça va. Et le Silver Knife, canon magnétique aussi. Normalement, canon magnétique, je peux à peu près m'en sortir. Il y en a un qui m'inquiète, c'est Golden Mountain. Mais du coup, je vais peut-être essayer ça. Je vais peut-être essayer d'envoyer donc autour, on a dit, de Ardarine. Je vais défendre Ardarine. Avec mes vaisseaux. Vous allez aller. Diriger tac 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 vous allez vous diriger donc vers la station Ardarine. Est-ce qu'elle est bien construite? Comme vérifier Ardarine, oui. Sauf qu'il n'y a qu'un seul non, c'est bon, j'ai bien deux réseaux de défense. Allez, c'est un peu qui tout doux. Hop, donc vers Ardarine, 1,7 heures. Ouais. Hop, et même chose, Ardarine. Là, ça me coûte la même chose. Là, je passe de l'orbite Terre basse, enfin Terre basse 2 à Terre basse 1. Voilà, donc j'ai ma flotte terre qui fait ouh, 138. Peut-être, je vais faire quand même, je vais sauvegarder. Allez, on va pas se mentir. Je suis quand même pas vraiment sûr de mon coup. Je vais sauvegarder. Ouais, tu veux pas de mon point d'interrogation. Le nom de la sauvegarde parle de lui-même. Peut-être que quand même, je vais sacrifier Ardarim. Je suis quand même pas bien sûr de mon coup. Désolé pour la transition un peu abrupte. L'enregistrement de cet épisode a été atroce. J'ai eu plein de plantages. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai tourné le début de l'épisode et je ne trouve que maintenant le temps de tourner la suite. Donc, j'ai fait quelques tests. Il se trouve que ma flotte terre est très nettement insuffisante pour essayer de se battre contre la flotte qui arrive sur Ardarine. Donc, je vais sacrifier Ardarine. Je vais me replier vers l'un de mes stationports, donc vers Mangazor, pour essayer de sauvegarder ma flotte qui sera parfaitement incapable de faire quoi que ce soit. Hop là. Voilà, et donc on est reparti. Ouais, j'ai découvert un bug. Enfin, oui, découvert si on veut. Modification de l'Éthiopie. Enchanté de l'apprendre. Voilà, tu te ravitailles très bien. Et tu es resté en stationnement. Alors là, on continue de nettoyer l'Amérique du Sud. Pour l'instant, je le laisse. Très bien. Deux succès critiques. Oh, très bien, deux succès critiques. Canon vert, laser moyen. Canon laser vert moyen. Donc, on continue de rechercher les canons laser qui vont en proue. Tac.
Très bien. Ceci dit, c'est mon espion, donc il a fait exprès de se planter, puisqu'il y avait 41% de chance hein, quand il est paramétré pour que... voilà, tout ce qui est... Dès qu'il a moins de 50% de chance de réussir, il fait automatiquement en sorte de rater. Alors, du coup, j'en suis où, Avencian ? J'en suis nulle part. Bon, on va arrêter de... De toute façon, au prochain tour, je vais envoyer mes héros pour finir le ménage. Hop, puisque donc... Hop, voilà, donc là, il reste à peu près rien. Et ben oui, j'ai juste à Phnom Penh qui reste quoi que ce soit. Donc je vais pouvoir y envoyer France. Hop. J'aime pas ces trucs qui restent là. Que je peux pas détruire. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec les autres? Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je finis de régène. Je suis à 85 et 78%. Quand ils seront régènes, je vais aller prendre les états alpins. Quel est l'état de mes pays? Donc, désolé si je me répète un peu sur mes deux morceaux d'épisode. C'est vrai que ça a été un peu complexe. La Malaisie, je la perdrai tôt ou tard. L'Union européenne. Est-ce que je peux pas... Si en fait je pourrais accorder l'indépendance... au Groenland typiquement. Je sais pas pourquoi je le récupère pas. Il faudrait que je prenne le contrôle de Paris. Est-ce que j'ai envie que les serviteurs... Ouf, je m'en fiche un peu en fait. Les barrages nucléaires, je les vois pas là. C'est dommage, parce que ce serait pratique. Bon. Donc, en termes d'agitation, ça va. Je peux essayer... Alors, si je pourrais, je peux donner son indépendance à l'Écosse. Ce serait bien, histoire de... Ouais, je vais accorder son indépendance à l'Écosse. Comme ça, ça fera des pays un peu plus morcelés. De toute façon, je peux pas en prendre le contrôle. Donc, c'est pas très très grave. Hop, on va faire ça. Sinon, je peux aussi... Ouais. Je vais aller faire prise de contrôle au style. Citron, tu vas me faire Cédric Kaboumé. Donc c'est son deuxième. We'll bring them in. Acknowledged. Deuxième conseiller qui est un peu énervé chez les serviteurs. Adriel. Ready for orders. Dachus, tu vas me faire du sabotage. I'm going in. I'm here. Qu'est-ce que je peux leur saboter chez les serviteurs? Qu'est-ce qu'ils ont en cours? Bonification moléculaire, waouh. Ouais, celui-là, ce serait le langage des hydres que je peux lui saboter aussi. Blindage. Ouais. Ok. J'ai largement de quoi saboter. Et donc, toi, tu vas aller donner son indépendance à l'Écosse. On my way to the capital. Hop.
I will help them. Donc, Ardarine, adieu. Voilà. Il continue de me défoncer, mais station autour de la Terre, c'est bien dommage. Alors, toi, tu peux... Qu'est-ce que tu vas lui acquérir? On peut aussi aller chercher... dans ces organisations qui ne sont pas attribuées. Oh. Oh. Sympathique, ce petit message. La haine nous est souvent étrangère. Ah, zut. Je laisserai mettre en pause pour aller voir ce qu'il dit. En gros, il est pas content. 1% de bonus de rendement des mines. Bof. Ouais, celui-là. Même si je le prends pas. Hop. Ouais, il libère, normal. C'est pas grave, j'ai son copain. J'ai réussi à saboter, ok. C'est pas sur moi. Policy direction complete. Allez, accorde l'indépendance à l'Écosse. Moi, je vais finir de démanteler. L'Écosse a pris le contrôle. Indépendance pour l'Écosse. Blindage en exomatériaux. Pour être un favori plus tard. By the numbers. Et c'est un succès. Les extraterrestres terrorisent les civils à Addis Abeba. Bien. Il peut pas grand chose. Point de contrôle perdu en Malaisie. Ça me fait pas grand chose. CRS. Tant qu'il bombarde pas, ça me va. What's the op? Il le fait exprès, hein, sérieux. Il a fait revenir les plantes. Taking it to them. Standing by for this. Ready for my mission. Où est-ce que je l'ai envoyé? I know you have ancient. Acknowledged. What's the op? Heading to the LZ. Acknowledged. Je vais l'envoyer. Alors toi, Pékin. Clic droit. Toi, tu vas à Canton. Ah non, c'est là que j'en ai. Je peux cliquer 50 fois, ça change rien. Et toi, Kung. Ok. Pardon. Bon, tu vas continuer. Hop, admis de barrel. Tac. We'll grab them. On va se les faire en boucle, l'un puis l'autre. Là, j'irai enquêter quand j'aurai pas de plantes à défoncer. Confirmer les affectations. Offering assistance. Il va se cacher. Mon espion. Alors, Baron d'Onyx. Ah, là, j'aurais pu aller défendre.
Mouahaha. Mouahaha. Je me suis défendu. Ouais, j'ai envoyé mes... Ma flotte, je leur ai défoncé. We've hacked their research data. Hop, langage des hydres. Pim. Target secured. Boum, succès critique. Hop, c'est recherché à une vitesse, dis donc. Tiens, je pourrais certainement... Batterie de canon Gauss léger, il faut que j'aille rechercher les canons Gauss. Alors, pas 3 points pas les 4 points d'emport. Par contre, les 3 points d'emport, je prends. Là, c'est dommage, parce que du coup, ils ont un gène. Est-ce qu'avec mes deux... Je vais peut-être pas retourner. Je vais aller choper la Norvège. Hop. On va les récupérer là. Décembre. Alors, il vide la flotte terre. 4 décembre. Normalement, elle aura un peu grossi la flotte terre au 4 décembre. J'espère. J'espère. Non. Je suis un peu con, moi. J'ai pas relancé de moniteur Gauss. Quel con. Est-ce qu'ils seront 96 jours? Ah, ben ça fait trop long. Alors, ceci dit, je voulais les tester un peu avant de voir, mais je sais qu'ils peuvent faire des choses. Mais j'aurais dû les relancer plus tôt. Bon, elle aura grossi ici. À moins que je renvoie. La flotte Mercure, c'est quoi? C'est des magnéto 1. Là aussi. Peut-être que je renverrai. Je sais pas si les vaisseaux autour de Mars doivent pouvoir aller. Ils doivent pouvoir aller jusqu'à la Terre, je pense. Je pense que j'ai suffisamment de Delta V. La Norvège, non. Je. Mission complete. Pas la paix. Allez, je les reprendrai s'il faut. Non, bien, tout simplement, je ferai. Le Pakistan, alors, il est impliqué dans quelle guerre? Prospection mondiale. Le Pakistan. Là, il y a un vrai souci qu'on puisse pas déplacer les... hop. Le Pakistan, il est là. Oui, mais c'est la Norvège aussi. Ben non. Quand j'aurai pris la Norvège, je serai d'accord. Mais... Target secured. Target secured. Là, ça bouge dans tous les sens. Du coup, ici, je ferai une intégration. Une intégration, voilà, puisque c'est revendiqué par l'Union, par l'Amérique du Nord. Donc, je pourrais faire relation gérée. Je veux plus être. Je m'en fiche un peu de ça, je veux surtout être. Copain avec les États-Unis d'Amérique du Nord.
toute façon, pas de ma meilleure région à récupérer, mais on fera avec. Facturé, putain. La cohésion. Dans les États-Unis d'Amérique du Nord, c'est une catastrophe. Reporting in. Alors, putain, il y a toujours des. Pas réseau. Alors, ça va être Dashus qui va aller taper. Non, ça va être toi, tu vas aller enquêter sur ce qui se passe à Addis Abeba et France. Acknowledged. Allez, At your surveille par service. réseau. At your service. Bon, toujours ces trucs-là qui restent, ça m'énerve. Je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser. 1,4, on va faire diminuer la pression ici. We'll make things safe. I'm Citron, here. tu vas continuer d'enfermer. Eyes on target. What's the orb? Ready for my mission. Adriel. Minorité 0, polarisé, ok. Des inégalités qui sont tout juste. Pas grand-chose à faire. Si, popularité. Oui, ça a très fortement baissé aux États-Unis. Making our case. Que tu refasses un peu de pub. Offering counsel. Ah, floraison soudaine. Il faut. Il faut envoyer des équipes brûlées. Burn them all. They slipped away. Ah! Saleté, 95%, 96. Canon de gosse léger, un point d'emport, batterie. Ah, ça c'est un truc de coque, ça c'est un truc de proue. Ça c'est de quoi? Combattant la liberté. Qu'est-ce que ça apporte, combattant la liberté comme projet? Ah non, ça. Ça retient d'une fois sur l'autre. Sur quel arbre on est, combattant de la liberté. Bon. La liberté. Qu'est-ce que ça apporte? Des régions avec mouvement d'indépendance ont 50% de chances de plus de faire sécession. Ouais, non, c'est aucun intérêt. Donc celui-ci, guérilla, je m'en fiche. J'étais sur le nombre de 3. Quand elles sont conquises, bonus de 2, mission d'agitation. Obsolète, je m'en fiche. Bonus aux missions de stabilisation. Ouais. Doctrine militaire, milieu accidenté, coordination militaire complète. 30 000 points, c'est cher. Canon gosse vert léger, on va de canon zère vert. Hop, on va continuer sur les différents canons. Hop. On va rajouter les armées russes tant qu'on y est. Hop. We've moved the needle. Order is returning. Sa critique, j'aime bien. Et lui, il retourne à Prague. Forgive me, I fetchy. I can happily. Alors, automatisation en col blanc, ça donne des projets. Yet, sometimes replying to a simple email feels non, like c'est the pas hardest apparatchik. Thing in the world. Commissioner Pourquoi Kiran est-ce que j'ai pris Banerjee, ça? Private correspondence. Je sais pas si c'est moi qui l'avais pris. Alors.
Je cherche les lasers à arc. Qu'est-ce qui me manque pour les lasers à arc? Bah rien, je les ai. C'est juste pas une doctrine militaire. Qui sont quand même le niveau suivant en termes de laser. Ah, mais c'est pour ça que ça va si vite. Taux de réparation de nos armées augmente de 1% par jour. Ouais, ça je vais le mettre comme favori. Score one for the good guys. Recon complete. Alors, nouveau projet. Les extraterrestres subissent un bonus de 2 pour les manipulations contre le point de contrôle. Donc ça permet de gêner les extraterrestres. Pas forcément ouf, mais ça peut être intéressant de voir quand même. Je blinde la Chine. Protecting our interests. Ready for my mission. Oh putain. C'est pas possible. Going in hot. Where do you need me? We're going in. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir dire il n'y a plus de plantes sur Terre? Eh ben non, je ne peux pas. Là, on a dit fédération avec les États-Unis d'Amérique du Nord, 18 décembre. Okay. Quand même que je vérifie. Qu'il envoie vers Mangazor, 4 décembre, ça fait 640. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Canon magnétique avancé, tourelle magnétique, rayon à particules, les défenses, c'est les mêmes. Et là, canon magnétique, soute de torpille. Ça, à mon avis, je vais me le défendre. J'espère pouvoir y arriver. Canon magnétique, rien. Donc je vais bien le laisser autour de ma base, histoire de pouvoir bénéficier de l'aide précieuse. Hop, confirmer les affectations, c'est reparti. Baron d'Onyx, bon, avec si t'as juste un vaisseau, mon petit coco. Lending my expertise. Making things safe for our people. Ah, ça c'est moins bien, il y a beaucoup plus de vaisseaux là. la station Ibn al-Faki, c'est où ça? C'est autour de Cérès. C'est autour de Cérès, bon. Forcément, il les libère les uns derrière les autres. Public opinion is moving in our direction. On continue. Ok. Mais non, j'ai compris. L'Écosse, on est d'accord, la seule revendication, c'est l'Union Européenne et Angleterre. Ce qui m'embête, c'est que si je libère l'Angleterre, ça fait que Georgetown...
perdu entre guillemets. Pas très grave. Donc là, t'es parti sur Prague, mon petit coco. Bah écoute, tu sais quoi? Je vais aller te cueillir sur Prague. Alors, sauf que non. Est-ce que les armées américaines, elles peuvent nager, mais pas les armées russes? Pourquoi tu ne veux pas nager toi? Bon. C'est plus rapide d'y aller par la terre. Ok. Annuler l'opération. Annuler. On réessaye. Bon, si ça a l'air plus rapide. Et toi? Je sais pas pourquoi tu ne mets pas les flèches. Défense spéciale en ligne. Hambourg. Hambourg, c'est l'Union Soviétique. Oui. Pourtant, j'ai pas de défense spatiale. Oh. Nouvelle armée déployée. Bien, à Varsovie. Ah, mais. Target destroyed. On va commencer. Target destroyed. Alors, toi t'es arrivé à Mourmansk. Ok, j'ai un truc que j'ai pas compris. C'est beau. Bien. Allez, je vais arrêter cet épisode-là, il aurait été compliqué pour moi. Normalement, vous ne devriez pas trop constater que ça a été compliqué, mais j'espère que les suivants ne seront pas aussi compliqués. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.